Hola, buenos días, hola, buenas. Ouais. Nous partons de Fisterra. C'est la grande plage de Fisterra, celle-ci. Aujourd'hui, c'est brouillard encore. Et c'est le jour numéro 100 depuis le départ de chez moi à Archamps. Et jour numéro 100. 100. Yeah. Ciento. I don't know how to say. Direction Santiago. Again. On the road again. ouais, on a fait plein de courses. On va arrêter les restaurants. Peut-être un dernier restaurant. C'est peut-être un challenge de faire les trois pizzerias qu'il y a dans les trois villes Moschia, Fisterra, I-C-E-E. C-E-E, on va passer par là. Là, on va longer aujourd'hui la côte. Mais pas par les falaises. C'est surtout des grandes plages comme ça, mais elle est énorme cette plage, c'est hallucinant. Et voilà, donc c'est parti pour ce 100e jour entre Fisterra et Santiago. Mais elle est toujours avec moi. Je suis toujours avec elle. Yeah. Allez, c'est parti. Adios, Fisterra. Yeah. On s'éloigne tout doucement de Fisterra et de son cap qui est encore dans le brouillard ce matin, ce midi. Yeah, le soleil est de retour, et bon, ça va être comme hier, il y aura brouillard, soleil, brouillard, là, le brouillard est en train de remonter juste ici. Yeah. Ah, il est magnifique ce cap quand même. Allez. Let's go. Yeah. Bon, on s'en va de notre petite pause déjeuner. On a mangé une petite salade de riz. Direction CEE. Bizarre le nom. Hein. Yeah. Direction CEE. Et yeah. On s'est pas baigné, on se baigne pas aujourd'hui. We are not swimming. We are from, not from the sea, I think. We are from the mountains and the... Palatinate. Little mountain. No, no. Yeah, we had enough. We have to walk. Yeah. So, let's go. Each day another pleasure. Two last days was swimming, enjoy the beach, swimming, eating on the beach, take a shower on a cascade on the beach. Yeah, parfait. Bon, on vient de passer Corcubión et on se dirige vers CEE. Finalement, on n'y était pas. Et il y a du raisin ici. Miam miam. It's good. Non. Yeah, let's go. Bon, voilà, on part de CE. On a mangé encore une fois. À As Baleas. Ah, c'était le dernier. As Baleas, c'est là où on a mangé à Moschia, à Fisterra deux fois. Et là, à CE, c'est une pizzeria. Bar tapas. Et... I'm full. On va manger. Et là, donc, comme vous voyez, on va à Santiago. Enfin, direction de Santiago.
Et on vient de partir de CE, on va essayer de trouver un endroit vers une chapelle. And surprise, there is a dog. Yeah, les chiens en Espagne. Et là, ça monte. Donc 3-4 km de marche en montée là, comme ça. On monte à 1000 mètres d'altitude pour aller à la chapelle. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui me regardent. Oh. Non. Bon, c'est pas... It's only 10. C'est pas humide. Ça fait pas froid. Donc c'est... On va passer une bonne nuit. Mais il faut qu'on trouve l'endroit. Ok, let's go. Let's go. Et on est à... Ok. On est à 17 700 km du Cap Finisterre. Donc on a bien avancé quand même. Donc cette petite journée. Yeah. Ok. C'est parti. Bon, bah on voit pas trop où on en est. Là, comme je disais tout à l'heure, on part de CE. On ne s'attendait pas. On est en train de monter une montagne. Dans le brouillard. On voit rien. Yeah. Et là, apparemment, il y a une belle vue. Tu vois hein, là-bas? Yeah. Yeah, but we won't see the view with this fog. But it's not bad. Yeah. Ah non, pipi. Putain de pèlerin. Pilgrim. They are peeing everywhere, the pilgrim. Yeah, we're going on. Bon bah ok. Donc là on a la lampe frontale mais bon. On voit rien. Yeah. Ok. Bah, à demain peut-être. Oh, bah on est arrivé au point d'intérêt. C'est la croix. Bon, on continue. Bonjour, bonjour. Jour 101. Sur le chemin de Compostelle, entre Fisterra et Santiago. Hier on a trouvé un spot à côté d'une chapelle. Il y a une source aussi. C'est un bon spot. Ce matin c'est brouillard. Mais on est en train de faire à manger. On va petit déjeuner à côté de cette source. Mais... Et puis voilà, on reprendra la route direction Santiago. Voilà, jour 102 sur le chemin de Compostelle, le retour entre Fisterra et Santiago. On a dormi dans une petite albergue à Oliveira. On vient de faire quelques kilomètres. Ah, temptation.
vient de faire quelques kilomètres et on va direction Negrera en espérant atteindre Negrera aujourd'hui. C'est un peu plus de 30 km, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait 30 km. Milka. Et ouais. Donc plus de 30 km, c'est le challenge d'aujourd'hui. Et après, il nous restera 21 km pour aller à Santiago demain. Hola. Ah, gracias. A la vuelta de la esquina. Ok, ok. Muchas gracias. Ok. On s'est trompé de chemin, apparemment. Bon, les gens, ils sont gentils. Même quand on se... Ah, non. Because she thinks we are going to Pistel. Non, non, Santiago. Ok. Yeah, she said to Santiago. Et parce qu'on fait le chemin à l'envers, donc... des fois... C'est pas bon. Ah, yeah. 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 Donc, on est à nouveau devant les tentations. Yeah. Ok. Let's go to Santiago. Again. Yeah. Et bien, c'est le lac où on a dormi, pas loin de la rivière où on s'était baigné. Donc là on passe au sud du lac, on était au nord pour, sur la voie à Moshia. On va pas passer au bord du lac, mais oui, de l'autre côté c'est Ba something with B village, and the petrol station is maybe over there. Yeah, petrol station, the little one. Yeah, yeah, yeah. Donc voilà. Let's go. Et le lac paraît plus grand que quand on est passé. Je sais pas, on n'avait pas la bonne vue, mais yeah, ça a l'air sympa. Hop. Yeah. Bon, on est à 4 km de Negrera. Ça fait 29 pour l'instant, 29-30. On va dépasser les 30 km. Aujourd'hui, ça fait longtemps, après nos merveilleuses vacances passées sur le bord, au bord de l'océan, nous retournons dans les terres. Santiago demain. On a un joli petit chemin pour finir la journée. Il y a eu pas mal de routes aujourd'hui, mais bon. Ça fait plaisir de refaire 30 km, plus que 30 km. Yeah. Donc Negrera, on va faire les courses au supermarché et on va trouver une petite fontaine pour se toucher. Et Yana va nous trouver un bel endroit pour dormir ce soir en Google Maps. Voilà, voilà, jour 103 sur le chemin de Compostelle entre... Fistera et Santiago. On arrive à Santiago aujourd'hui. Bon, on est. Bah, ça fait encore nuit. On est very early parce qu'on s'est fait réveiller, ça pleuvait un petit peu. Donc on a dû bouger. Là, on est à Negrera. On va partir. On va aller prendre un café dans un bar si c'est ouvert. Et direction Santiago pour arriver vers midi, je pense. Même avant. Yeah. Et yeah. Ce matin, I'm complaining, but no. Yeah. Donc bah, c'est parti pour cette journée en direction de Santiago. Let's go. Bon, on a fait 4 km depuis Negrera. Ça pleut un petit peu et là on arrive, bah on fait exactement le même trajet. C'est le premier jour où on fait le même trajet qu'à l'aller. On est au retour vers Santiago. Là on est le petit village qui s'appelle Puente. Puente de... On s'était baigné ici à l'aller. Ça faisait beau. Il y avait du grand soleil, ça faisait chaud. On avait fait la machine à laver dans la rivière.
Et j'avais pris une photo ici, mais c'était pas les mêmes habits. It was not the same clothes. I took a picture here, but yeah, with the only white clothes. Today is the color washing machine for. Yeah. Et oui, on s'était baigné juste là. Yeah. Oh, il y a un peu plus d'eau, on dirait. Je sais pas. Yeah. Mais avec le soleil, c'était. Mobile. Yeah. Yeah. Et, ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Mais bon, ça. It's a style, like we said. Yeah. It's a style. Yeah. Moi, je voulais réparer mon matelas gonflable ici, mais bon, là, ça pleut. Je verrai. Après Santiago, on verra. Parce qu'il est un petit peu percé, je sais pas où. Il faut que je le plonge dans la rivière pour trouver la fuite. Yeah. Et bon, bah on continue vers Santiago. Where do we arrive? At the spot with the picnic table where we slept 2 weeks ago. Yeah. Ah, buen camino. Buen camino. Mm. Yeah. Bon, on est bientôt à Santiago. Et là, on arrive où on a dormi il y a 2 semaines de cela. On a dormi juste ici. C'était mon lit ici, et le lit Ayana était juste là-bas. Et on s'est lavé ici, dans cette petite rivière, il y a 2 semaines déjà de cela. Et là, donc il nous reste 4-5 km pour aller à Santiago. J'avais fait la même vidéo, je crois, il y a 2 semaines, en montrant le matin. Et yeah. Et yeah, ça rappelle des souvenirs. Idiot. Donc il y a 5 km pour aller à Santiago. 4-5. Petit pont juste après. Et ici. Yeah. Yeah. Joli. Oh, c'était beaucoup plus propre quand on est arrivé. Là, il y a des gens qui ont laissé des gobelets, des bières, des cigarettes. Yeah. It's like this. Yeah. Bah allez, c'est parti pour Santiago. Yeah, cathédrale de Santiago. Santiago again. We are back. Des 103. Jours 103. Santiago. You're happy? Yeah. To be in Santiago again? Aïe aïe aïe, this cathedral. On vient de prendre le bus, on est à Santiago, on a trouvé le bon bus. Et là, on est au McDonald's. Après, on va aller à Decathlon faire un tour. Yeah. C'est Santiago vu différemment. Max Colchon, de nous. Max Colchon, diver jump. Oh! Ah non, it's a kid area. But yeah. Why not? Yeah. Let's go eating McDonald's. Nam 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 nam. Bye. You are on the Camino. By bus. Yeah. Alors, vous vous demandez si c'est fini, en nous voyant Yana et moi dans le bus, sur le chemin, mais en bus. Je tiens à vous dire que non, l'aventure n'est pas finie.
entre Fisterra et Santiago, le retour, on a décidé de continuer ensemble sur le chemin portugais jusqu'à Lisbonne. Encore 800 km de marche, un peu moins, 700-800. Là, on revient juste en bus à notre hôtel pour passer la nuit, nous reposer. Puis, ce sera le début du chemin portugais demain. Voilà, donc je tenais juste à éclaircir un petit peu la situation et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Ciao. Oh, the Camino is here. It's here. I know the city like my pocket now. Yeah, yeah. We are not shooting. On revient de Decathlon, Leroy Merlin, McDonald's et Burger King. And Yana is eating in the bus without the mask.